Hello, on est vendredi, enfin on est vendredi. Je suis pas en vacances, mais je suis en week-end, c'est déjà ça. On est le 10, il est 7h45, je viens d'arriver au boulot et il fait 10 degrés, donc je suis gelée. C'est un truc de malade. Donc normalement les températures vont remonter dans la journée, n'est-ce pas? Il fallait quand même, je vous en parle, qu'il fasse 10. Des fois le matin, il est entre 15 et 20, et là il fait 10. Donc il est frais. Franchement, j'ai pas chaud avec mon petit gilet tout fin, mais bon, ça va monter. Bref, je vais pas vous le redire. Donc, dernière journée, je suis contente parce que je suis contente d'être en week-end, tout simplement. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire, ça va dépendre du temps, comme je vous l'ai dit, du temps, de nos envies et tout ça. Donc, évidemment, vous serez au courant et informé de nos activités si on a du week-end. Si on ne fait rien, vous serez informé aussi. Donc, c'est génial. J'espère que la journée va passer vite et agréablement. Et après, j'ai plus qu'une semaine à tenir. Quand tu prends les vacances fin août, il y a un côté agréable, c'est que tu pars quand tout le monde est revenu. Et côté désagréable, c'est qu'au bout d'un moment, c'est long. Enfin, jusqu'au début août, ça va. Puis là, les 15... Enfin, jusqu'au 18 août, là, c'est super long, quoi. Mais bon. C'est comme ça, mes amis. Allez, let's go café et let's go travailler. Bisous. J'en peux plus. Journée trop longue. Pourtant, j'ai eu du boulot, mais... Truc de fou. Il est 16h, je pars du boulot. Oui, je pars du boulot. Je rentre chez moi. Normalement, je retrouve... Enfin, voilà, c'est même sûr. David, il sera là, parce qu'il était en télétravail aujourd'hui. Voilà. Alors, on s'est dit que ce soir, on irait peut-être faire un resto à Versailles pour fêter le début du week-end. Manger en terrasse et tout. Il fait 21 degrés, mais je pense que ça va être un peu... on va voir, parce qu'il y a quand même du vent. Il fait, bon, il fait pas froid, mais il fait pas non plus chaud. Donc, c'est pas la peine d'aller là-bas pour se les cailler, quoi. On est d'accord. Donc voilà, je rentre. Je me pose. C'est le week-end. À plus tard, je vous reprends. Voilà, je suis rentrée. David bosse. J'ai reçu le courrier. J'ai reçu... catalogue bon prix. Voilà. Je commande des fois sur le site internet. Je reçois toujours le catalogue, je regarde. Toutes les tailles au même prix. Il y a des grandes tailles, c'est pour ça que j'aime bien. Et c'est pas très cher. J'ai reçu au courrier ma carte comme ça. C'est là. Je ne sais pas mon nom dessus. Je ne crois pas. C'est la carte que j'ai reçue par le boulot pour la rentrée scolaire. C'est une carte cadeau. Donc il fait 55 euros. Voilà, donc c'est pour tous les gens qui ont des enfants de 6 à 16 ans. Et donc si on a deux enfants, on a deux fois, enfin bref. Et j'ai reçu un colis Wish encore. Vous allez me dire, arrête pas. Moi j'avais une crise, j'ai commandé plein de trucs. Alors j'ai recommandé encore un truc pour Alexis. Toujours pour avec Fortnite. Donc là, je ne vais pas le déballer, c'est une chaîne. Sautoir avec le pendentif Fortnite. J'adore ce genre de truc. Voilà, donc c'était pas très très cher. Et j'ai reçu un autre bracelet pour moi. Vous allez vous dire, je suis folle à ça. On l'a reçu hier, c'est celui-là. Hop, tout fin, tout mignon. Il est beau. Hein. J'adore. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que je crois que j'ai pu rien recevoir. On arrive au bout en tout cas. Donc ce soir, on va essayer d'aller finalement tester le resto. On avait fait 4 km aller-retour qui était fermé, vous savez, l'autre fois. Cette fois, on va y aller en voiture. J'ai la flemme d'y aller à pied, même si c'est agréable. Mais... Donc David, ce midi, il a été à la poste et il a vu que le resto était ouvert. Donc on va essayer d'y aller ce soir. Voilà. Ça on va pouvoir le tester. Apparemment ils font des burgers, des salades. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Et donc on va aller vers 7h, mais elle est assez tôt je pense. Et puis voilà. Donc ça nous fera une petite sortie vendredi soir pour fêter le week-end. Voilà, il est 7h13. Je pense qu'on va pas tarder à aller au resto. Il y a David que j'avais faim.
Donc là, à l'intérieur, j'ai mon gilet et je pense que pour sortir, je vais mettre ma veste en jean parce que. En plus, c'est mon gilet, parce que ça caille. Enfin, il y a du soleil, mais il y a du vent. Donc voilà. Je vous dis, raconte pas. Hein. Jamais contente, la fille. J'attends mon David. Qu'il fait, je sais pas quoi. Fais son petit tour du jardin. Ouais. C'est parti. Bah ouais, je t'attends. On prend la voiture. On prend la voiture. Bah oui, ah non, je marche, j'y vais pas à pied. D'accord. Imagine, c'est fermé. Allez, c'est parti. Chier ces voitures. Bon, cette fois, ça a l'air ouvert. Oui. On aurait pu venir à pied. Alors David, tes impressions ? Bah écoute, bien. Moi j'ai trouvé ça très bon, c'était sympa. Et en fait, il faut savoir que ça fait... Alors là, on va se promener déjà. Bon, on va se promener, on va faire un petit tour quoi. Et en fait, David, ça fait 20 ans qu'il habite là. Moi, ça fait que 4 ans, mais ça fait 8 ans qu'on se connaît. Bref, et c'est la première fois qu'il n'est jamais venu manger à ce resto. Jamais venu ici, jamais, jamais. Il est trop mignon ce petit parc. Tellement trop près. Que... C'est trop près, ouais. Voilà. En fait, ça nous donnait pas envie parce que c'était trop près. Bah. C'est fou, hein? En fait, c'est très bien. Regarde-moi ces arbres, là. Ouais. Ils ont bien poussé. Quand t'es venu là, il y avait la brocante. Ouais. Ah oui. Là, il y a un gros terrain de jeu, là. Pour les gosses, c'est bien. C'est vrai que là, on aurait eu envie de rentrer à pied, quoi. Et par là, là, c'est la direction du skatepark où on va des fois avec Alexis. La ville, il se gratte. C'est pas où vous habitez, mais on connaît bien la ville. T'es filmé, hein. Faut qu'un jour, tu filmes, toi. Ouais. Et que tu sais que tu t'auto-filmes, comme moi, je fais, quoi. D'accord. Que tu te vlogues, que tu vlogues. Tu saurais quoi dire à la caméra? Non, je saurais pas quoi dire. Je dirais bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Je sais pas. De mon téléphone, voilà, il s'allume. Non, je ne serais pas en fait. Tu ne serais pas ? Non. T'es dire comme moi, enfin, te faire à l'envers quoi, enfin. À l'envers ? Bah comme je fais moi. Ah oui. Oui alors. Voilà comme ça. Donc bonjour, voilà, regardez ce magnifique temps. Dire d'autre. Bah je sais pas. Un abonné. Zéro. Mince. Et au bout de 2 semaines, zéro. Bon. Voilà. Voilà, on est rentré. Donc il est 21h. Voilà, donc c'était très sympa, on est content d'avoir fait ce resto que, bah, qu'on connaissait pas, que David connaissait pas. Voilà. Donc à refaire, mais pas tout de suite, hein, mais... très sympa. Donc voilà, donc David ne vloguera jamais. Un jour j'essaierai de lui faire prendre qu'il essaye quoi, d'ouvrir le vlog ou de le clôturer. Donc voilà, donc moi je vais, bah moi pour le coup je vais clôturer là. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.